Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une recette traditionnelle algérienne, c'est le beurre koukès. Voilà qu'on prépare durant les heureux événements comme les fêtes d'accouchement, etc. Voilà, donc c'est une recette très rapide. On va utiliser un blender pour faciliter la tâche. Ça se prépare en 30-40 minutes et le plat est prêt. Donc je vais ajouter dans mon blender 3 carottes, soit 160 grammes. Deux oignons, soit 190 grammes, et un demi-navet, 50 grammes. Je vais ensuite ajouter 400 grammes de pulpe de tomate. Donc, j'ai ajouté les tomates en boîte. Après, vous pouvez ajouter des tomates fraîches, mais elles doivent vraiment être bien mûres et bien rouges. Vous pouvez ajouter 4 à 5 tomates. C'est vraiment la base du beurre koukès. Après, je vais ajouter tout simplement de l'eau bouillante. Donc un tout petit peu pour m'aider à mixer tous les ingrédients. Donc je ferme mon blender et je vais tout simplement les mixer. Entre-temps, j'ai mis dans une cocotte un petit peu d'huile et deux cuisses de poulet. Vous pouvez utiliser bien sûr une autre viande, du bœuf, du mouton, ce que vous voulez. Je vais ajouter mon mélange que je viens de mixer et là je vais ajouter 20 g de gousse d'ail. Donc c'est en morceaux parce que tout simplement c'était congelé. 20 g de gousse d'ail, je vais mettre une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir. Et là, je vais ajouter l'épice essentielle pour cette recette, c'est Ras el Hanout. Vous le trouvez tout simplement en grande surface, dans les rayons orientaux, etc. C'est la base. Voilà. Il y en a qui l'appellent aussi les quatre épices parce que tout simplement, c'est un mélange de quatre épices. J'ai ajouté aussi une pincée de cannelle et une pincée de safran. Je vais mélanger tout ça. Et ensuite, on ajoutera de l'eau, donc 1,5 litre d'eau. Et la touche finale, c'est un bouquet de coriandre tout simplement. Plus vous en mettez, plus c'est bon. Voilà, donc on va fermer notre cocotte et dès que ça commence à siffler, on va baisser le feu et laisser cuire environ 20 minutes. Vous pouvez ajouter des pois chiches si vous voulez. C'est très très bon aussi avec cette recette. Moi, je les fais sans et c'est bon aussi. Donc, on va préparer tout simplement ce qu'on va ajouter à notre sauce quand elle sera prête. Donc, j'ai mis tout simplement dans un bol 120 g de sauce tomate. Après, vous pouvez diluer du concentré de tomate avec, avec un demi-verre d'eau dans un bol. J'ai ajouté aussi 20 g de gousse d'ail et un petit peu de coriandre que j'ai coupé en petits morceaux. Je vais mélanger tout ça. Et dès que ma sauce est prête, je vais tout simplement ajouter une louche et je vais mélanger très très bien. Voilà, ça va me faciliter tout simplement la tâche de l'incorporer quand c'est bien bien un petit peu plus liquide qu'auparavant. Et voilà. Donc là, après que la sauce est cuite, je vais enlever le poulet et la coriandre. Et je vais tout simplement ajouter le mélange qu'on vient de préparer ensemble. Et là, on va diviser tout simplement notre bouillon en deux. La moitié, on va la mettre dans une soupière. On va émietter notre poulet et le mettre dedans. Et le reste du bouillon, on va mettre dedans nos graines de beurre koukès, quand vous allez voir. Tout simplement, pourquoi on va mettre ça? Parce que le beurre koukès absorbe énormément de bouillon. Et si on n'enlève pas la moitié du bouillon,
ça va être absorbé et tout simplement il n'y aura absolument pas de bouillon dans notre plat. Donc voilà, je vais tout simplement mettre 200 g de graines de berkoukès, de 100 à 250. Donc je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile, je vais bien le travailler et ensuite je vais l'ajouter à la moitié de la sauce restante et je vais laisser cuire tout ça pendant 10 minutes, ça sera prêt, tout en remuant, hein. N'hésitez pas à remuer de temps en temps pour que ça ne colle pas au fond de la cocotte. Et voilà, c'est prêt. Donc pour le dressage, on va tout simplement mettre notre berkoukès là. Comme vous voyez, il a bien absorbé la sauce. Hein. Si vous laissez une heure de plus, ça sera comme des pâtes en fait. Et donc, on va le mettre au fond de l'assiette et on va ajouter notre sauce qu'on vient de la mettre de côté avec le poulet. On va le mettre par-dessus et on va décorer tout ça avec des petits morceaux de coriandre hachée. Voilà, c'est très bon. Et voilà les amis, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. Il est très très bon ce plat. Et très chaud, idéal pour cette saison. J'espère vraiment que vous allez l'essayer si vous n'avez jamais goûté ça. Ou si vous l'avez goûté et que vous aimez, j'espère vraiment que vous allez essayer cette recette. C'est très rapide et très bon. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com. N'hésitez pas à vous abonner hein, si ce n'est toujours pas le cas, à liker, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com. Au revoir.